si monsye Utak yo frape fo. Chak jou piplist, yo komanse ansam avek yon lot strategi. Yo genye yon eformasyon ki rivejwen yo, genye Nathan ki se chef gang kap dirije kay Michel. Utak di, si nou fe wout nasyonal numero 1, nan, e, e, Nathan kapap genye tan sove. Yo jete koyo, Tomod, yo lage kwa yo sodo, le yo rive sodo, yo di, eh, eh si nan le pi louen, natan kage tan chapè pou li. Ki sa pase? Si M. Utagyo pase aljwen lanmò sanjou, pandan yo pase sou wout la, yo manyen lanmò sanjou. Yo di lanmò sanjou, soldat sa yo met deyo wa, pa karete deyo wa toujou. Ki sa yo fek? Yo desen, yo pase pa sodo, le yo rive sodo, yo jambe la rivyeya, epi yo tombe kay Michel. Nathan se yon chef gang, izo te place ekzaktman kay Michel. Enformasyon ke mgenye, enformasyon ke sous mwen ban mwen, Nathan se moun, izo te mette la pou l kapab fe reset nan zon nan. Men natan vi noue, machin pa pase, gonseri deva gayk aktivite pa fete, natan di, e, eh, e, eh, mak monte moun nan, mbral fe, moun kap vive, moun ki nan kay Michel, pa ka foksyone. Ki sa l fe? Le mati granpone, li leve, li monte moun nan, la leveye ti machan ki pral nan mache, li fouye yo, li pren sal bezwen, epi tou li ale. Denye kou kwa l touye kou kou, se natan kembe yon moun epi natan gele violel. Pandan natan violel, eh, populasyon te an an, tou op pou nou. Nou pa ka apse repou yon moun, ka fe nou mechans te. Yo rele la polis, yo di la polis, gon sete de natan izo te vin plase, ma vraple nou ke minotri sou kontrol izo, Titanyen sou kontrol izo, sodo sou kontrol izo. Kay Michel sa, son, son, son e preske yon komune an den sodo liye. Mral di nou. Pandan atan li mem lap, opere. Kay Michel, geyi loti si solda liyo tou ki pren la ria, janbe rivye a, al fouye moun tou. U tak di en eh, en. Eh. Si nou reta kwa zebra nou, nou gen pou nou bezral so do mwen jye sa la, nou pa kal nan fet la. Si mwen si yo pase, di pa bol an mwen sanjou, yo vin tombe kay Michel, yo mette la pat sou Nathan ki sechev gan kay Michel la. Me fok mwen di nou, depi le mwen Nathan poste, jen l poste ala pou l fe foto, ki moun nou konen monten te nan tet mwen? Muskadek. Paske muskade li men, depil pran ou, li tou bo chanm gason. Li bo dra, li bo fwo, li bo ou sevyet, li ba ou tou men ridou. Paske li men, li manchak tout fwo ou, tout dral. Li pa nan baka imet jen gason kampe ap fe foto jen gason. Eman konye? Haa! An pa rye si se muska dek te pran to osa, nou tap wè ki joun tap pase. Ebyen natan la, li name la polis, kat mura yi natan gen tap gade. Porske natan jwen arestasyon yè kite lundi 3 jwen 2024 la. Kaye Michel, negyo an tristesse, izola, se mareril mareril, paske natan kon trob detay de baz la, li pa vle natan pale, li pa ta reme natan mem di kouk, pou la polis pa kon ne trob sekre de baz, izo, sek segonde, kap dirije an dan vilaj de Diyo, ki genye tou lok komune sou dole. Ebyen, pandan moun Kay Michel avek Utag fe gro kout file si la, genye moun nan no ki arete Sa son brouakali Mouvment beka a rekomansi Ndi nou sa we? Wi? Moun kap viv nan vil de provinci yo Determine yo pa nan koze sa Fok sakre le bandi akraze Pa gen baga wap sot nan peri Wap sot pato pres pou alande yo Non, pa gen baga e sa Tou ret koto e a Frele ou gan nan telefone me djab sou Me papè di jè kwa zan di yo Je nida son sa la polis munisipal senoui du nor arete sanfwa ni lwa sa ki se bandi, ki fe patsi gang Erik Pospè. Awek tiraj la, polis munisipal yo teremet udmo por de peyo, sanfwa ni lwa rive bo simitye senoui du nor, epi yo fizye to oua ak yon bal lantejte. Imanj yo telman chokan, la polis pa mèm gen tan banou nou. Ki yes to sa ye, yo pa mèm di nou, ki yes vreman li ye, ki kote. Li soti l tombe kote l tombe ya, e ki yes ki kote. Ki... Ou, oh, bagala telman, bagala telman. Hmm. Ah, la polis nan mouman, detyamine, pou se ke yo di, pa gen bagay, nan vin jwe ak bandi. E populasyon an kampe an vil le provinsyo la, pou yo di, dezorme, bandi pap ka krasi provinsyo, menm jan avek yo krasi Port-au-Prince lan. Ebyen, pandan, e baz gang erik posper ekchize mwa apren kou, genye kem pes tou ki pedi solda. <laughs> kem pes pedi junior kasi alias tape, li soti mariani, Fak mwen di nou, li te kon renfose gantwa ef nan bo, bo kwa ki sou komine ansavo kap dirije pa kempes. Kempes sa, hmm, komine ansavo a, se pa kempes bel e an, kempes sa son kempes kap dirije ekzaktman ansavo. Operasyon sa te fet nan ansavo, delege departemental ak komise gouvenman ansavo a frino kadey. Ebyen la, nan mou mou an pala avek nou la, si monsye vivan sanm yo, apren kou. Lese pa la polis se populasyon. Lese pa populasyon, son zonyal atake moun yo kampe an bouchan soldat, yo batay avek yo pou yo pedi plusye moun. E gen yon informasyon ki li vejwen mwen, kassemble goun toro nan baz kem pes la, ki te pati. Ki te pati. Epi tou ou a, gen len panse, li ou te wè de bel panse sebyen, bon, poutan se te bali baton, li tap pral toune. Tune, li tap pral toune yon, se lan mol, li te vin pran. Ebyen, ne gyo fèt et li. Se informasyon sa ki rive jwen mwen depi. <coughs> nou konen gen sous. Nou bakan, nou bakan, grome dia sa pou nou pa jwen moun kap ban nou bonjan informasyon. Kempes la nan mouman, se rel. Se an mouye kaprele, nan tout vivan sam nan net, se an mouye kaprele, maman pitit, ma revante, sak pa kapab, ambake. Poutan, panan map di nou sa, genye, e e e, wabou goye li mem, ka flanen nan machin li, bral montre nou video sa. Kote ke li mem, la flanen. Li santi l fin alez, li panse gresye ya fin namel. Mral montre nou ki jan ye la, Bougoy pran la ri, Bougoy santi l fin gason, Li pran la ri, la psime. A yi diwe la, li pape, li pa kret. Li nan la ri, li bli ekol. Me fok mwen di nou muskade determine la, apre bebe Bougoy fin bayi, e eh, e eh, diskou la, ye eh, pou l di ke, e eh, e... Eh, Mis kade met ranje kol la bin sou li, ebyen l pape. Mis kade nzwe, mwen men map touye yo ak men. An gade? Eh, eh. Wela, videyo san ap gade la, se Bougoy. Chef gang nan. Bougoy. Bebe Bougoy se solda, sa se chef la. Kli men, kap enjyo li, kresye nan manchin ni. E pi wela, li sensil alez. Men populasyon an tou, pap sispan, bayo bwa kalik. E fok mwen zinou, depi yon bon boutan la, populasyon an determine pou yo kapab krasi viv ansam. Mem ke se pa grenyo pran yo chiska ke yabay vag, men populasyon an li menm determine pou l krasi group gang sa, a, ki an zi koalisyon gang sa a, ki rele viv ansam. Depi yon bon boutan la, kap si me la teror, kap si me kap fe moun pa kadomi la, ka yo ki ren moun mal alèz, e sak fe de. Mem an nan mi tan yo ankor gen division, foske yo menm ankor sak gen ideoloji pa yo, chak moun gen ideoloji pa yo. Hay di wè yo vin nou mouman la, yo rive nou mouman la, kote ke youn bavle wè lot. Eske se sen? E, 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 populasyon apri ya, ki kampe de, yo nou pa konen. Men jam ap di nou mouman la, hm, nan jou kap vini yo la, Boa Kalea, Jean-Ouel la C'est un ensemble informations ça. Vous m'avez été pour nous. Restez là pour nous capables de plus de détails. Père commandant Guy Philippe, qui est général, chef révolution pour la libération pays d'Haïti en 2024, parlait sous affaire qu'on lève cette traite, plus de traites, qui soi-disant choisit un premier ministre. Commandant Guy Philippe fait une intervention qui est extrêmement importante et qui dit deux choses qui est extrêmement important pour que vous-même entendez et puissiez en comprendre. L'homme dit nous, Philippe, son type qui est extrêmement intelligent. Mon cher, franchement, peut-être tout vous en tant que monde, parce que même bon Dieu, il qui étaient contre lui. Même pas en tant que monde, si vous prenez le temps, vous prenez sang pour de l ça ka yvo pas d'accord avec elle dans tout point que vous Même j'ai trouvé moi-même des de choses que je n'ai pas d'accord. Il ne doit pas quoi, mais il faut qu'on prenne temps qu'on prenne sang pour tendre Et puis, à partir de maintenant, le ça, on va le qui pour réagir. Et bien, maintenant, je dis que l'intervention Mme Philippe fait sous affaire qu'on lève cette traite qui soi disant choisi pour le ministre, lit extrêmement important. Et vous dis que je dit aïe aïe aïe, monsieur, ouais, moi-même, je dis que ça très bien, Haïti est un Haïti est petit peu penser pour lui, Haïti est qui est intelligent, mais malheureusement, Malheureusement, le système est tellement violent, il ne fait que petite petits pas atterri pour porter des bagailles qui sont pour le pays. Comme Philippe Pali, Gary Coney, ancien premier ministre sous Joseph Michel Matéli en 2011, justement, eh bien, monsieur, finalement, monsieur, nommé officiellement comme premier ministre pour qu'on lève cette traites plus des traites, fait 9 traites. Eh bien, hier, qui était 30 mai 2024, l eh bien, eh, arrêtez la sortir, vous publiez-le dans le journal officiel Le Moniteur Paysan, OK Eh bien, naturellement, je dis, nous avons là, Haïti, n'importe qui, je capable de là. Haïti, l'État ici, connaît officiellement un nouveau chef d'État, un chef gouvernement. Mais je dis ça très bien. Si vous êtes en comme, alors peut-être que vous êtes en pauvre, mais vous êtes capable de faire des informations, vous commencez à sous la avant tout, vous avez vu pour presse, vous avez ça sont Lot, Gérard, la tortue qui là. Kou cette traite là c'est 7 tivolos plus des tivolos. Vous comment ça me dit on fait neuf tivolos. cap là cap cap broté, cap fait l'argent, cap gérer tête on équipe qui fin effondré économiquement, qui était fin pauvre net et mais qui une possibilité pour yon refaire yon une santé économique là maintenant. Mais mon qui bra le véritable chef là c'est docteur Gary Connie Guy Philippe dit que vais faire nous temps tout ta à l'heure comme pa, chaud pas temps pour que moi permette. nous ça mais nous ça Philippe dit si on avez du courage si courage pour venir là pour te saboter système là nous te de problème et se passe? Gary choisi monsieur comme et Premier ministre. Alors, il mi ne parlé pas parler dans couloir politique et, et, et couloir politique avec là longtemps. Depuis ce vraiment, Jean-Pascal Dédélire, de non, je Non, citer. s'est Mais, comme si nous avons dit, après 4 millions, plus de 4 millions Haïtiens qui nous dans la diaspora pour le moment, je me pose la question est-ce que c'est docteur Gary Kony qui est Premier ministrable? Et parce que, peut-être si nous pouvons utiliser l'expression ça, parce que je me sens qu'en Haïti, il y a des gens qui, c'est eux qui, qui le de président de tous les temps, et c'est eux qui sont capables de de tous les temps. OK Ça veut dire que, pas que l'autre monde n'a payé qui doit ministre... c'est eux-mêmes. Mais ça que me ça que trouve important, pour que je souligne pour nous, c'est la position de l'Église protestante d'Haïti. Ça montre à clair qu'en en Haïti, en vérité, bon Dieu,

mais si on ligue avec les politiciens, ils vont facilité pour que soient utilisés, soi-disant dame missionnaire, ils ont pour qu'ils viennent prophétiser sous la du président Jovenel Moïse. Mais c'était une stratégie, une stratégie pour qu'ils soient capable d'éliminer le président de la République. C'est pour qu'ils soient capables de faire nous-mêmes, faire l'opinion, accepter que le président assassiné soit normal pour tout le monde d'accord parce qu'il était prévisible bon prophétesse qui te dit bon dieu te dit la nature te dit li, comme si tout le monde doit accepter que crime ça il doit fait et madame ça terre relé Laura... prophétesse Laura. et madame ça m'a dit honnêtement c'est seul Haïti pour quitter pour pas foutre en bas code... et m'a dit ça très bien nous mêmes berto nous à peine notre trentaine nous à peine touche touché trentaine nous et bon dieu la vie qui est que nous nous aimer la vie et nous prenons des précautions, tout. Pour pipiti, la garantie, nous, minimum, il y a 40 encore. Ça veut dire quoi, ce qui s'est passé Madame Prophétesse, la, là, Madame Laura, qui t'est prophétisée de manière stratégique pour négocier le tout, le président PIA, moi, ça très bien. Où est-ce que je ne pas en de vous Je suis dans Vizem. Et la justice haïtienne doit foutre code dans la cour ou doué connaître la peine de mort comme criminel. Et j'aime toujours dire: la peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Et dans l'histoire, dans la loi pays, l'est obligatoire pour que nous gagnions la peine de mort. Parce que Jean, pasteur te dit là leur retire la peine de mort au pays. Ça qu'on le pays pour vagabondage dévorer pour criminalité envahir Mais c'est exactement ça qui fait dans la de nou de société nous, dans le pays d'Haïti. Faut que nous soyons très prudents, avec les gens de conseil, les gens de ravets, les gens de criminels. Et les gens de ça, ils sont toujours là pour quitter ou utiliser. C'est des stratèges que vous avez. Est-ce que nous sommes encore Non. Qui ça le fait? Ou pas contre ça le fait? Qui est dans la société? Son job li tap fait. Elle toujours là pour faire qualité de job ça y a. Y a notre monde qui a produit encore. Mais ma dit c'est Laura, c'est Laura. Ma brousse qui est une bagaille. Nous pas m'c'est berto. Nagande est un petit paysan. Sous plateforme ça y a les noms info berto. On président Joseph Moïse et auquel pour payer pour lui. Et la justice aïsen cap pour payer pour lui. E ma brousse des mondes que belle la vie où protéger santé où parce qu'on doit payer pour ça qu'on fait. Parce qu'elle me comprend ni nous pas beau vague n'a pas avancé. En pile dossier en actualité y c'est exactement le 31 mai 2024. Avant hier nous avons passé une petite vidéo qu'on a gardé sur l'écran là que mute sont de docteur Gary Koni. Qui est ce monsieur? Nous avons plus de détails sur Gary Koni après-midi. Parce que nous avons pile d'informations qui a vu qui tout parce que monsieur son personnel public. Sous fonctionnaires so, so, de l'État, sous Gopalto, sous ceux qui font en Haïti, monsieur fait pour au presse. Nous venons avec toutes les de monsieur pour. Sous so so, qui sont très formés. Mais écoutez, monsieur, ce sont clé, éléments clés. Ce éléments clés pour des blancs, les clairs, des blancs américains qui sont involve dans les affaires politiques pays d'Haïti depuis 30 dernières années. Et c'est des blancs qui sont très influents dans la politique aux États-Unis d'Amérique. Et Blanc, ça y il a vraiment mis le pied au tête dans la Coupe d'Haïti. C'était en 1994. En 1994, que a mis le pied au tête définitivement. Dans les affaires politiques pays d'Haïti. Depuis l'Essai, définitivement, il a mis le pied au-delà. Mais le monde très prudent, il ne de pas américain-américain. Non, ce n'est pas les Américains. Ce n'est pas tout États-Unis d'Amérique. Ce sont des politiciens américains. Que Jean-Baptiste a dans sa politique pays. Depuis là, ça a gens même Il y a eu un peu de goût, un avantage, un moustache. Mais de fait, c'est eux qui ont coupé la Gary Koni, c'est les qui a un gros bois de bananes. Et c'est n'est qui parle toutes toutes possibilités avec l'équipe pour les jeunes, ça pour Maintenant, Gary Koni, de le premier ministre qui sait que je ne haïtien, rien. Même ap j'ai une ou même comme le peuple qui me garde là-dedans, qui à l'extérieur du pays. Ou une grande bagay qui me reste dans la tête. Moi, c'est peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dans tous les pays du monde, peuple n'a jamais perdu bataille. peuple capable perdu combat. Parce que pep, depuis le peuple de la guerre, peuple capable perdu le combat. Wap replie, wap de ou a replié, ou a révisé les stratégies ou a fini. Avec de l'autre stratégie pour qu'on soit capable d'affronter. Et je dis que 1er janvier 2024, comme Guy Philippe, débarqué dans Gonaïve, Jean-Claude annoncé. dans la cité de Guy Philippe fait deux ghettos, deux quartiers populaires qui étaient vraiment hostiles, mais t'es ensemble, Raboto et puis deux chaos en même temps. Mais justement, Guy Philippe parlait en seule parole révolution pour libération pays d'Haïti. 2024. Guy Philippe dit nous pas campé, Nous avons une possibilité d'aller rapide, Mais en révolution son bagage c'est tout en démarche qu'il est son son idée qu'il est. Li cas les rapides comme ça tout, il qui doit pas aller rapide. De, 2000, de de janvier, 1er janvier 2024 à 31 mai 2024 là, peuple Haïtien en pile progression qui fait donner politique complètement changé. La classe politique traditionnelle haïtienne, complètement senti que li embarrassé parce que tout naturellement Messieurs senti que vous panique totale, vous êtes obligé Mettez toutes les têtes ensemble parce que nous ne pa pouvons pa pas parmi nous encore. Ce que je vous dis, pour les pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître. C'est une parole ça nous devons faire. Dans nos rangs, point de traître. Je toujours dis, c'est extrêmement important. Dans la bataille que nous avons menée dans le pays, pendant 30 derniers mois, ou 33 mois, 34 mois, nous avons des traite parmi nous. Nous avons des traite qui font long parcours ensemble avec nous. Eh bien, qui ne viennent pas à Kembe parce que, traite pas traité, traiter, traite pas à Kembe grand goût, traite pas trahi équipe l'équipe qui travaille pour nous. Et au coup de la route, les traites qui pensent que nous sommes capables de voit et li que nous sommes capables de Finalement, il sommes obligés de replier de manière stratégique et pour que nous capable capables de rentrer dans la base. Li. Et bien, je dis que, et traite ça, je dis, ils ont équipe naturellement. Nan mitan nou nous ne sommes pas retraités. Nous avons un leader pour le moment. Dans les affaires, les batailles, politiques qui sont actuellement Tout le peuple se réclamer. Alors, je suis capable de dire que la majorité du comme Guy Philippe. Comme Guy Philippe, ils ont proclamé, ils ont acclamé. presque l'unanimité, parler donc seule parole, qui se le commandant Guy Philippe. Vous avez un grand bagarre que vous avez révolution, c'est pour baga bagarre qui aussi rapide soit il chercher l'histoire, et Fidel Castro, et eh bien justement, comment il a commencé la révolution là C'est dans une petite ville province, avec 12 d'adoles, et eh bien il commençait à parler avec les paysans, de porte en porte. On okay? campaille porte à porte, parle avec paysans, lui conscientiser, lui parlent avec eux. lui ont l'idée en passé de prouver ça, côté LTA, section communautaire, côté révolution, monter dans la grande capitale pays. Et eh bien c'est là ça mon ame, mon a grosa mon a gropa gros gros tout gros goutte de bagaille te rejoindre population hein eh, eh, mais justement pour que Fidel Castro soit capable river, chavire, sacré de chavirer régime ça que te beze chavire eh. mais naturellement ou pas de jam te facile, te facile pour te Fidel Castro au devant de la scène te gagne un pilote leader qui t'est émergé qui te connaît que leader ça c'est le même qui est extrêmement important pour eux Eh ben eh, c'est lui qui doit derrière Yo même ils comme visible leader qui c'est peut-être pas moun que l'on. qui a réfléchi pour évolution être au côté équipe safe et c'est comme ça qu'elle doit y. Naturellement doit protéger leader. Il y a une stratégie que fait pour que yo élimine leader qui se commande Guy Philippe mais qui vient paraître impossible. De manière stratégique que force faisons l'État pays d'Haïti l'État pays d'Haïti utiliser toute force police pays d'Haïti force armée pays d'Haïti pour déclencher on stratégie pour assassiner commandant Guy Philippe, qui est le leader de révolution. Groupe blanc qui est un international, qui a fait des projets pour, pour retirer Guy Philippe sous scène politique. Et comme si nous excluions catégoriquement, les gens prennent une décision pour yon dire que Guy Philippe, justement, en prison, il a pas qu'à faire partie du conseil présidentiel. Guy Philippe n'a pas besoin de ça. Guy Philippe est prêt pour parler avec tout Haïtien. Guy Philippe n'a pas prêt pour déprendre des dictates, mais quel que soit, les gens comme blanc et ça cause que Philippe qui boy clair, dit tout le monde qui peut être dans l'obeille, ça qui prend des non Mais petit pays, colonialisme, ça disait que justement, il y a des esclaves. Des conseils des traites nationales. Et ça fait nous lève ça, qui lève cette traite, plus des traites, fait neuf traites. C'est des traites nationales que vous Et l'heure où il y a des traités, ou identifient des traites parmi nous, ou des e, 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 prennent des traitements, juger le condamné en tant que tel. Et m'a dit nous. Mounsayo qui fait ça que vous faites comme ça, Vous êtes responsable. Vous êtes responsables. La mort, le crime qui a fait sous chaque grain haïtien le pays, jusqu'à ce que vous ait se espace là. Et nous devons poursuivre Mounsayo jusqu'à ce vous arrive dans le dernier bout qui s'est tombé. Quel que soit jeune garçon, jeune femme, nous qui supportons cette traite. quel que soit le sac qui passé dans le pays, riche richesse qui a été sous toute forme non. Depuis nous identifier ces messieurs ça. On a identifié, on a mis nos yo. On a fait tout que qu'on est capable pour nous monter nos ce billboard. Et dit ça très bien. On a bataille à court terme, on a bataille sur long terme. Bataille, an la, on a bataille aujourd'hui là. On peuple a l'idée a passé 2 millions haïtiens, 3 millions haïtiens, 4 millions haïtiens prennent conscience. On dit qu'ils ont pas capable encore. Ils pas tolérer avec ça là. Ils pas tolérer le crime ça. Ils vont porter bourré. Ils vont chavirer ça là. Et puis nous placer les deux nous pour, pour la alors ça nous ça nous nou nou court terme là Mais pour long terme non. C'est quitter l'état dans mes criminels pour boter l'argent que paye il en gorge toujours fait j'espère c'est n'a pas qu'à rentrer oligarque continue à augmenter taxe sur peuple là fait peuple pas payer taxe fait j'espère c'est n'a pas qu'à rentrer avec un conteneur et c'est ici qui directeur douane yo qui tait continuer priger peuple là d'un côté abraham Abdi dit 7 et nous pas arriver à travers les élections l'arrivée à travers les élections tout naturellement m'a dit que extrêmement important pour comprendre ça l'arrivée à travers les élections, avec, avec criminels, c'est eux qui ont le pouvoir. On a une bagaille. Il faut qu'on dise, assassin, ça, n'est pas capable. OK Assassin, pas capable de faire campagne, en dedans dans pays, encore. Yo n'est pas capable de faire discours, en dedans dans pays, encore. Et il faut que nous prenions toute disposition. Il faut nous prenions toute disposition pour que, messieurs, ça, nous mettions hors jeu. Nous mettons hors jeu. Tout n'est pas de forme. Et nous dit nous ça. Premier cancer, gangrène, calamité, souffrance, douleur nous comme peuple et état nous vivre comme nation. Responsable en premier, yon, la classe politique traditionnelle haïtienne. Premier responsable, premier criminel, premier groupe gang, il est politicien haïtien. La classe politique criminelle, assassin gang sale, sa c'est eux même qui sont responsable, tout mal nous comme peuple. Et m'a dit nous. Deuxième responsable, là c'est oliga corrompus qui décide de prendre contrôle, bande banquer pour détruire le pays. Et c'est l'ennemi numéro un. Nous, volontairement, mais si ça pas pas décidé pour payer ça, jamais aller en souffle, voir pour ne parler de changement. Donc, le président qui campait, dans deux premières années nous il pris tout ça dont besoin. L'argent qui a dépensé dans le camp, Le président a pour que pays paye la possibilité pour le peuple souffle. De dans deux dernières années, ou les trois dernières années, il a décidé de prendre... Dernière décision drastique là, parce que le président prend la ligne droite là, côté que payant l'État paysant, qui sont l'État prédateur, qui parle pas passer avec les serviteur, qui parle servir peuple, décidé pour assassiner chef d'État. Lorsqu'il il vient un pays, que a assassiné un chef d'État, en fonction comme ce ça, ça veut dire, Ou l'État qui est en disparition, ou l'État qui faillit, ou l'État qui prend en otage par des assassins, par des, par des terroristes. Et bien, nous avons 33 mois, 34 mois, depuis que nous avons des terroristes qui prennent l'État de d'Haïti en otage. L'on terroristes des terroristes qui prennent l'État en otage, n'importe quoi qu avec eux, ou qu'a ont foutu un coup de bouteille, ou qu'a ont foutu un coup de couteau, ou qu'a ont foutu un coup de rache, ou qu'a ont foutu un coup de bateau, ou qu'a fait n'importe bagaille pour défendre tout, parce qu'on a droit à la défense. Le droit à la défense, ça doit sacré que lié. Ils ont fait violence sous, ils ont fait violence sous, violence économique, violence sociale, violence physique, violence politique. Ils fait tout sous comme peuple. Ils ont eu le droit pour défendre tête, le droit à la défense, son droit sacré que l'on a. Et ils ont fait trois crimes sur nous comme peuple. Dans ce sens, dans le fait faire les ça nous avons pile bagay nou sa sa. de choses que nous pouvons partager avec vous dans l'académie sur ça. Mais sur le point spécialement Garry Koni qui est sur l'écran là, je vais regarder où je vais et je vais dire ça honnêtement. Je vais comme critique que je vais vous protéger, mais je vais vous dire une chose. Ils ont résolu ce qui te prend, sur l'administration mateliconi pour près de 210 millions de dollars américains. Qui sont est fait a fait pendant un temps-là Qui ça te fait Est-ce que, naturellement, vous avez qui est dans Est-ce qu'on a détourné l'argent Comme au chef, vous ne pouvez pas répondre à une question yo. Mais on l'a, faut que vérité établie. Parce que ça, si vous avez petit, madame, au moins, un éclaircissement sur ça pour la famille. Mais moi, pour attaquer ou non Pour pou moi-même, d'après moi, si vous avez assez de courage ou capable de prendre le pays, il y a plus de service qui est capable d'exister. vous yo un chef d'État en fonction de, de de pays d'Haïti, ou c'est Haïtien, ou qu'il rentre en tête service, ou dans les Nations Unies, ou ka bataille, ou ka exige un tribunal pénal international pour nous jouer vérité dans ce qui est pour avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. OK Pour le pour président Jovenel Moïse, il est très intéressant. C'est très, très intéressant. Dossier assassinat président Jov de Moïse Ce n'est qu'une chita là, comme super-chef, dans le assassin sa yo, yo, yaya, konneke, pa assassin sérieux, ou pas tout gagner ploton dans le pour prendre contrôle du pays, ou pas tout ke ou passer parmi les assassins. Ou pas passer comme criminel, ou pas passer sérieux. Il y a trois crimes qui fait Haïti. Mais pour qui ça, c'est les gars qui connaissent le Eh bien, les gars qui c'est parce que le système n'a pas jamais pou pour les Haïtiens, qui sont Haïtiens 100% qui gagne un passeport américain, canadien, français, mexicain, mexique, whatever nationalité, qui remet pas pays d'Haïti, qui n'a pas besoin de pays d'Haïti, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça, mais ils ont besoin d'un Haïtien. L'Alvire, Dubaï, Haïti, les pays d'Haïti réglementés pour eux, ils ont besoin d'eux pour qu'ils job un job. Mais par conséquent, il y Haïtiens qui vraiment sacrifient vie vie pour Haïti, dans New York, dans Canada, Canada, okay? dans Miami, dans Boston, dans Washington. Il y Haïtiens qui sont compétents. Mais si Gary vini, ou parler de diaspora qui cite nos noms, qui accepte à le choisir, peut-être ou a besoin de graines, parce que a parlé de diaspora haïtienne, et y a un pile en pile pil monde, nous ne pas dire, nous pas dire, mais naturellement, m'a dis que, et, il y a un pile cause, pile qui peut-être mérite éclairci, si. il y a un pile cause qui peut-être mérite éclairci. Mais nous devons comprendre. Mais ce qui est important, souvenez-vous, comme chef gouvernement, vous avez là pour de gagner mais assassin, mais criminel. Et c'est pour compétences qui ne vont ça. Vous avez assez de compétences. Vous comprenez l'international. Vous comprenez toute plateforme internationale qui travaille pour vous. Et au son gros palet. Et vous êtes capable de dire, mais mon cher je ne pas mentir. pays qui est qui ça, qu'on capable de faire pour éliminer la classe politique qui est là? Pour montrer que le peuple... Là, c'est pas Matéli ou vient Parce que tout le monde dit clairement, où c'est le représentant direct de Joseph Michel Matéli. Gangalil PHTK. Est-ce que PHTK est bien avant? Est-ce que c'est pas coupé de courir avec la classe politique? Qui est-ce que vous avez? Qui est-ce tes fait courir? Et nous besoin de ça. Dr. Gaïkony, vous prenez le temps de monsieur. Et dans l'émission là, oui. Mais naturellement, je dis que, comme Philippe fait une intervention qui est extrêmement importante, nous allons faire nous entendre, Et puis Arabe là je dis ça, Arabe là et et Arabe tu OK T'as l'heure et tout à l'heure tout à l'heure gon information là bah ouais. et permettez-moi de toucher ça rapide vite et selon CNN qui a révélé que et alors et voilà si CNN révélé que et le chef de gang vite l'homme innocent et et justement T'as va récupérer. Oh, c'est quoi ça? Cadavre de missionnaire américain yo. Ben mouais, ben ouais, ben moué, ouais, ben ouais. Ok. Et... Et... Voilà. Et voilà, vite l'homme innocent. Mm -hmm. euh, c'est va être chargé. C'est pas être chargé. Bon, vérifier pour nous e moi prend un coup pause nou, nou nou ouli, eh, de eh, pause pou ben pou eh, 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 pour que mon capable vérifier ça comme information pour nous parce que connait faut nous pour nous et faut sûr de source là et qui voyait pour nous ben moi courir 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 vérifier ça pour nous et entre-temps on apprend et break là quelques secondes et bataillier bataillier et on prend quelques secondes pour que nous capable vérifier ça pour pendant que on va partager émission avec toutes amis alors ma vais profiter pour me dire bonjour, bonsoir tout le monde. Ne pas demander qui l'heure là, vous pouvez nous et vous pouvez nous Encore une fois, c'est un plaisir pour nous pour que nous sommes ensemble avec vous. Vous voulez que avec président Jovenel Moïse. Ce soir, vous tout toujours, attendez, vous avez toujours plusieurs gens. Vous ka fait lapider, vous avez fusillé, vous assassiner assassiné, vous mais c'est ça ça vous réservé le Président qui vient pour changer bataille avec système pesé sous c'est ça son bataille c'est un coup c'est Jean à la Bible c'est David qui a si bon Dieu va dire à son son bataille que le peuple a perdu d'avance nous nous ça et nous-mêmes si nous pas ouvert gé nous ouvert oreilles nous pour nous comprendre parfois

Vitellum l'homme innocent déclarait que je suis désolé. Vitellum l'homme innocent déclarait que... Et... Alors, gouvernement américain, hein? <coughs> attendez bien, oui. contactez si C'est vérité, c'est Vitellum innocent. Et qui dit, selon selon CNN, déclaré que. Alors, il va rappeler que c'est métronome de guerrier Gessel et métronome qui c'est média en ligne, qui se porte-parole. Et couleuf, c'est 7 traits, plus 9 traits, fait 9 cadavres là. Et qui a information l'information ça, d'accord Et selon, justement, et, alors sous, c'est Métronome qui fait tout là. Mais nous avons deux amis qui disent nous vrai et, et, et ça qui dit authentique. l'authentique. nous vérifions ça tout d'abord. Avant, nous disons, il l'homme dit qu'il y a négocié pour que pour que récupérer le cadavre de Américains qui a assassiné par gang Diafla dans Canada. Alors, selon le journal là. Et pendant que FBI a gagné avec le de Vitellum, il y a 2 millions de dollars américains sur le Vitellum. Mais ça n'a pas empêché que l'administration américaine rentre dans la négociation avec Vitellum pour que Vitellum soit capable de récupérer le cadavre de l'Américain. Bon, on va comment ça a fait. Parce que ça a gagné en pile. Ça a gagné en pile, on de dire, non dire non des politiques dans tout. Parce que vous après la vie, oui, c'est pas changé nous avons contexte politique aux états unis d'Amérique, côté il y a deux camps politiques qui ont tout qui sont extrêmement forts, côté que, eh, ben, mon cher président qui était perdu et l'élection 2020, monsieur bien placé, et actuel président bien placé tout, ces deux présidents avec eux tête pour tête, mais sauf que dossier vraiment, dossier assassinat de deux Américains dans le pays d'Haïti, livre vraiment, bas en pile problème, ok, médias américains on va parler de lui pile, et partisans dans notre champ et vraiment est vraiment préoccupé de ces ça On s'est président dans notre troupe-tout. monsieur prend un dossier en charge et monsieur prend une décision d'y rentrer en contact avec là ok Et ainsi, il y a un petit qui n'a pas parent qui était un tout. Il de des gens qui ont fait politique. Dossier a vraiment politique. Et il a assassiné déjà, malheureusement. Mais il n'a pas géré. Il n'a pas Nous-mêmes, nous ne sommes pas tellement fous et dans la, dans la politique. nous dans les affaires politiques. Etats-Unis, parce qu'ils ne nous connaissent pas très bien. Et c'est pas la caille nous tout. Et, et, et les affaires pas tellement de Nous les affaires on ne va pas tellement le fouer, puis trois fois voit Vous comprenez Mais je dire dis, et docteur Gariconi, nous parler de monsieur, nous t'étions fort en hier. Nous avons fort des déclarations comme André Philippe et à qui font une sortie qui est extrêmement important A Rabla font une sortie qui est extrêmement important que nous pouvons permettre d'entendre Mais comme nous, étant faut aller sur Gariconi, les touts sur l'écran. Et pour même qui pouvez entendre et comprendre qui est ce qui est Gariconi, nous avons fort en et Gariconi. Et pour nous attendre très bien, et déclaration a été faite depuis en 2011. Vous pouvez les propres d'accord. partager l'émission pour faciliter plus de monde, naturellement, capable de pa, pas pa, participé ensemble avec nous. Et à nous faire ça, et à nous faire ça rapide, parce que, lit très intéressant Docteur Gary Kony, qui est actuel premier ministre, pour, pour qu'on lève cette traite transition, plus de têtes transition, fait neuf traites et cadavres dans la coupe d'Haïti. Gary Kony, micro, radio et télévision Caraïbes. à Bruxelles, dans le cadre des journées européennes de, de développement. Nous avons avec nous l'ancien Premier ministre et paysan Gary qui qui, dans le cadre des journées européennes, qui est avec nous, c'était une belle surprise pour nous décroiser là. Nous allons profiter, poser la question, ensemble avec quelques autres camarades journalistes, sur qui ça l'a fait là et sur qui j'en... li apviv de sityasyon peyi an e jodi an. No evito, suiv, mouman sa anou kalpase avek ansepevi uh, menis Gary Kone. Nan jouni ou per de devokman ki sa pre la. Efektivan, se lan de kade. Dabor, mwen kontinuab bay prezidansyolif ki se prezidans liberia an apwi. E Unyon Afriken nanmen prezidansyolif prezidant ou komite spesyal de dis prezidans, chèf d'Etat, chèf de gouvernement pour définir une position africaine commune sur question agenda post-2015. Et dans le de ça, il lui-même, donc moi je viens d'accompagner, je viens de tout, dans le cadre de qui sont structures que le secrétaire général a établi et qui sont par euh, Jeffrey Sachs et Earth Institute de Columbia, pour nous aider tout, dans le cadre de définition, ça n'a pas l'agenda post-2015. N apre aple tout moun ke an l'an 2000, PYOT, an yo, le yo pe yo te an tan yo sou ajenda ki ke te ele les objektif du millenèr. Objektif du millenèr yo ap ekspire en 2015 e jodi a gwen efor internasyonal pou ke le moun an ti an tan yo sou ki kad ki pou al remplase objektif du millenèr. Non ki nouvels objektif, ni nouvos objektif ke le moun pou al fikse, pou al bay tet li e se yon petit peu diskusyon sa yo ke Union OPN ap fokus la a jodi. An 2000, nou te gen 8 go objektif. Te gen de objektif, par exemple, de reduksyon de mortalite maternel, de skolalizasyon universel, te gen tout de objektif sur euh, le partenariat, te gen de objektif, par exemple, sou SIDA. Te euh, gen, donc, un seri de objektif, men ki te pluto liye a des afer de povreté. E yon nan gran chanjman kap gen lan prochen kad la, se ke ap von fokus tou fwa sa sou de kreasyon de rikches, sou kreasyon d'emploi, sou kwasans. Parce qu'une leçon que nous au cours des 15 dernières années, c'est qu'on ne peut pas arriver à réduire la pauvreté le niveau qu'on a réduit là si on n'a pas un niveau de croissance, si on a une création d'emplois. C'est pour ça d'ailleurs que dans les pays africains, ils ont entendu et travaillons en ensemble pour une position commune. Et la position commune, ça a essentiellement accès sur quatre points importants que l'Afrique voulait dans le nouveau agenda. Le transfert de technologies, les infrastructures, surtout l'énergie. La transformation économique qui pour eux est essentielle et une certaine protection environnementale parce que nous connaissons que la croissance mondiale n'a pas continué faite s'il pas faite de manière beaucoup plus efficace et s'il pas faite avec beaucoup moins de pression sous l'environnement global là, qui arrivait vraiment à ses limites. Donc, c'est un ensemble de discussions ça, que nous vivons là, jeudi hein. Pour nous, si nous à un sac très différent. de sa kap pase la akoun ya par rapport a sa k te pase an 2000. An 2000, son ti goup ki te reyouni epik defini ou agenda epi ansuit le monde adopte el. Euh, Fwa sa, le Nasyons Unie et le Sketeur General etablou ou agenda sou preske 2 an pou yo defini ansan, pou tout moun participe lan definisyon kad ki pou al defini partenaryat global nan matyere de devlopman durable. Agenda, se te Nasyons Unie, tabwe preske mwende ki sa l'Europe ap fe nan kesyon sou dotan ke Discours, parfois pas forcément... même si concentré sur l'Europe. Moi, j'ai l'impression qu'il a parlé de agenda après 2015 ans. Il a parlé, il a parlé pour le monde. Est-ce que ces mandats, ces gens, secrétaire général, abordent des questions qui permettent que les situations soient faites comme ça une Question très intéressante. Nations Unies, by Ted on ont séru instrument, un processus pour le capable de définir agenda post-2015 Et Élie Créer, ça Lion. Open Working Group, un groupe de travail qui au moment où on parle, a réfléchi sur l'agenda ça. Et éventuellement, les États pour aller venir, aller voter sur l'agenda ça d'ici euh, la fin 2015. Mais entre-temps, les organisations comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, veulent assurer que même tout, ils ont influencé le processus global ça. Et c'est dans le cadre de ça que l'Union européenne, ni même en tant qu qu'entité, vle, e se pou sa yon sot son tre bon dokumen la daye, A Distant Life for All ke mankoraj yo gade, kote yo men yo baye vizyon yo de ki sak pou inklu lan yon agenda post-2015. Donk si tu ve, se tu ve, set un efor, pardon, kombine de tout struktur sa yo pou yon influanser dokumen final la. Men yon pa de doutre ke dokumen final sa, se les etat memb, don Aiti, o nivou du sièj de Nations Unies, ki eventuellement pou al chite ansam, ki pou al voté, ki pou al defini, ki sak gen lan agenda sa. E gen de disferans ase manke ke mta yon ati, atasyon nou sou sa. Lè, par ekzampou, pran Bola Kainou, latino-amèyken yo, yo gen de langaj ben spesifik yo vlewe. Yo vlewe, par ekzampou, kontrol sou produksyon e konsomasyon. Paske yo kwen ke yon anpik yo mounas ki gen lan devlopan durab, se le kesyon zanvironmantan. So, yo pral gen, se ke a partir de 2030, yo pral gen den centen de milyon de ki économie, ki Donc, moun ki gwen ekonomi, ki gwen potensyal d'achat plus eleve. Donk moun sa evidamman, yo pral konsome enerji, yo pral manje vyan, yo pral manje, yo pral konsome, donk konsomasyon yo pral augmenté. Et au moment actuel, yon étude ki montre au, que au niveau actuel de konsommation, nap konsome presque l'équivalent de 3 mondes. Donc, toute question, c'est comment est-ce que nap ka fè pou nou augmenter richesse chak individu. Chak individu, sa yo, donc, pou al besoin konsome plus, et comment ap fè konsome plus san yo pa bon effet délitaire ou effet négatif sou environnement. Donc, se diskussyon sa yo ka fète la akounyer pou nou liye a la fwa pos 2015 ki se agenda kap remplase les objektif du mille d'air, men tou pos Rio plus 20, pos yon ap chanje yo Brazil en Rio plus 20, te kon paket diskusyon sou sa yo le devlopman durable se 3 pilye, e se tou le 2 mouvment sa yo kap konsilye la akounia pou nan arrivan an agenda final. Europe la, loin nou, Belgique, loin, jounet european de devlopman an pale de Haiti, ki, par exemple, importan sa Haiti genyen pou suiv jounet european de devlopman nan ki sens ou panse diskusyon kap fet pandan 2 jou sa yo e kapab gen influence ou biye kapab implike e Haiti? La poukou influence kapital e de plusieurs manier. La premieran chose se ke diskusyon sa yo kap fet o nivou mondial pou al defini koman parteneryo komporteyo. Loun te gen objektif du millenaryo par exemple, nou te gen 8 objektif du millenaryo, l'edukasyon, la sante, le Haiti fe program de devlopman ni, baye yo yo avek parteneryo di a ah, mbawe la sante la, mbawe l'edukasyon la, a formete l'an program wan pou msupoto. Fois ça à ça quand a paye, il a s'assurer que l'autre élément qui est important pour nous, par exemple l'accès à la technologie, le fait que nous voulons que dans les dix prochaines années, tout Haïtien ait accès à Internet, nous voulons assurer nous que l'élément ça a tout l'agenda global là. Parce que c'est ça qui garantir que différents partenaires y ont effectivement supporté nous dans le sens que nous voulons aller. Ça, c'est un premier facteur qui est très important. Mais un deuxième facteur qui est très important dans la discussion, c'est que ont aider à structurer comment nous pouvons focaliser l'énergie par, comment nous pouvons mettre en place pour processus pour. Donc, par exemple, le président il a dit même la a un problème de ressources naturelles. et je voulais attirer l'attention sur le euh, belle parole, nous n'avons pas belle parole. Et moi-même, honnêtement, depuis environ 10 ans, je dis environ 14 ans, depuis que. Oui, bien sûr, 14 ans. ça. Euh... Yeah, euh... 14 ans, je vais suivre. Je la politique. Et depuis environ 14 ans, je comprends la politique. Je suis la politique très bien. Je suis capable de dire non. Euh... 10 ans d'emblée. Je comprends la politique Dieu je vais suivre des prêts. Je t'ai chaque jour.

On compte ça. Belle discours, belle parole, belle français, bel vocabulaire, bien articulé, nous habituons ça, Mais maintenant, c'est résultat clair, concret. Nous avons nou, nou besoin pour que nous permettions que le pays soit dans ça. Est-ce que les gars qui sont capables de clater, qui cette traite-là, pour finir en deux, pour que nous mettions courant dans le pays Nos électrique électriques, électrique comme une cafou. Est-ce qu'on a le courage pour dire faut que les OK est-ce qu'on est -ce qu capable de faciliter le touristes dans les pays comme le on est de de national Et c'est ça qui est important. Si on vient là, pendant que la Dominicani a pesé à grand pas, la Dominicane saute par un bilan là comme sauté. La Dominicani saute par un bilan là mais met en tête. La Dominicani est sortie le 1er janvier 2024 à 25 mai 2024. Elle a réussi recevoir 11 700 000, ,000 touristes. En pays ya. La Kayori, de 1er janvier à mai, y'a recevoir plus de 7 millions de touristes. En Haïti, nous ne recevons pas 3 Ça qui fait ça. Kidnapper politique, gang politique, terroriste politique, tout président politique, assassin, assassin politique, c'est yo, vous qui mettez nous là. Ça fait ça, on est corrompu, on a tout le monde, on a 20 hommes, on a tout le monde dans le pays, on a des hommes dominicains au niveau Haïti, on a des hommes au niveau Haïti pour rendre que le pays a une instabilité généralisée pour que le monde ne puisse pas fonctionner dans le pays. Mais maintenant ça nous besoin. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de pays qui bouge la paix, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin pour que 20 changements, 20 la paix, 20 espoirs soufflés sur ce pays-là. Qui est-ce que nous sommes capables de jouer? Nous avons besoin de gens qui ont une crédibilité peuple. Pour qu'on comprenne, <coughs> 1, 2, 3, 4, ça fait que a connu le en 2011. Et ça qui est important pour nous. Si nous connaissons ce que le fait en 2011, nous allons partager la nous. Et nous allons live Après midi, pour que je Naval chaque aval, chaque opinion, chaque opinion, pour nous mettre pour comprendre la réalité. Ça fait que le PTKU en 2011. Parce que la PTKU, comme pour lui, il a fait 6 mois même. Et 4 mois, il a fait. Est-ce que nous avons raison Et Il est connu. Ankite gaykou ni pale toujours parce que je c'est parlé là je vous t'a parlé de Haïti c'est en, en 2011 mais Me là maintenant nous 13 ans 30, 30 ans après c'est <laughs> trop assez rapide et 2024 nous ekounya Qui kote Haïti est mi ça comme premier ministre ça va le faire et comment on rentre c'est comment je rentre ya, ou tout le monde comme va sortir ça va le faire mais comme Jovenel Moïse il rentre en façon tout façon Jovenel d'entrer là deux ans après, elle t'a pété elle t'a metté système dans Est-ce que Garikoni est capable de mettre classe politique traditionnelle haïtienne, gangnaire, oligarque corrompu, cap trouver mon amie et cap vendre à Est-ce qu'elle est capable que de le tête là-bas Garikoni est son joueur de l'équipe, son joueur de l'international. Liga corrompu, c'est mon amie, monsieur tout

de parler toujours ou avez fait fait des caissons 2011 mon ko pouvez ou pour parler pour le moment Mais m'a fait peuple attendez ou mon qui peut connaître, ou peut-être ça va connait ou ça va attendre regarde expression visage et tout sous son inquis si sérieux tout il y a vrai oui parce que nous connons nous nous connons bluffer nous ne sommes nous kon, non, pas sérieux entendez monsieur il y a un problème d'exode de capitaux partout en afrique Yo konye problem enonde d'exhort de kapito, kote ke euh, paket kon fèt an Afrik, epi ale nan lè peyi pli devlopè. Donk yo vle asyre yo ke des eleman konsak important pou yo, inklu tout lè anjenda global la. Ke peyi devlopè yo akseptè, met an plas de mezur, ki redwi, pwos yo nan palè trè soufan don montan ki depase sa peyi Afrikan yo recevwa an asistans ekstern. Donk yo vle asyre yo ke eleman sa yo, inklu lè anjenda ato. Donk fò la, pwè miyaman pou wè sa lot vle metè ki ka afekte yo, Là, par exemple, il y a parlé de l'économie verte et restrictions que ça a imposées en termes de modèle de développement. Fort faut pour assurer que <laughs> l'élément commun qui ouvre qu'il a, il inclut dans l'agenda commun. Donc c'est une discussion qui est importante. Il n'y a aucune raison, il est loin d'Haïti, mais il est très intéressé à Haïti. C'est pour ça que ouais, d'ailleurs, le monde là le monde représenté, un paquet de chefs d'État dont euh, le, le président du Niger avec lequel j'ai travaillé quand l'homme des résidents coordonnateurs, qui vini, nous est au premier ministre jamaïcain, Lila, tout, c'est parce que nous voulons faire partie de discussion, parce qu'en général, si nous ne pas fait partie de discussion, nous hein, avons subi résultat de discussion au lieu que nous bénéficier de lui. Le monde est là, mais Haïti, il est pratiquement absent de nos activités comme ça. Alors que nous posons des questions avec une autorité européenne qui dit que par rapport à la question... Et l'objectif millénaire, là, Haïti est li, li, si rare pays, si, si, sinon l'unique qui n'a pa pas atteint un objectif, huit objectifs qui étaient fixés. Dans la région, c'est vrai que Haïti, dans la région, c'est un pays qui n'a pa pas fait progrès pour le faire sous l'objectif euh, du millénaire. A, et c'est pour ça que c'est important, que non seulement pour nous discuter, pour nous comme un prochain cadre, là. mais je me que entre Kounia et échéance 2015, là, nous est à peu près 1000 jours. Donc, il y a tant toujours pour Haïti faire progrès, l'éducation universelle, la santé, l'équité et, et, et des gens. Par contre, quand me dit ça, je suis as assez fier de ça. La question euh, éducation, là, Haïti, c'est une Europe et avec ce niveau de revenu qui est à et, et cible de parité garçon-fille au niveau primaire depuis très longtemps. E nou etou ki Haiti fè pou granpil lan kesyon restriksyon de sida. Donk gen un peu progre kanmèm ki fèt, men gen moukou plus ki a fè. Men lan kat definisyon nouvel agenda, gen certainman des eleman kle ki Haiti vle wè lan potfèy la. E an se sens, nou gen rizon, il fò ke nou brizan. Se si di, gen plizye forum kote diskusyon sa a fèt. E isi la, je di ya la, se solman yon lan forum yo. Donk, msou ke par exemple, ou nivou de Nasyons Uni, New York, ou gen ambasadeur avek ekip teknik ambasade la ki certainman angaje lan diskusyon yo, e a, là, a là, mon avi apreprezante entere e vizyon peyal an kat diskusyon sa yo. Si pa gen lote kestyon pou une... eh, mèm e, M. Kony sou JEDO, euh, an tank ansyen chef de gouvernement, ki ou e ga oujodi aporte sur Haiti? Tu sais, se, mse fè preske 14 mwa an Afrik, men nou suiv Haiti de tre tre prey. Monsi Toukounia vek teknoloji korey en, mdou sa mdade nou tout la regulyaman, sou internet, et, m li regulyaman, tout, tout jounalyok sou internet, Donc, m ap suyb sitwasyon de pre, m avouye ke, tre souvan m pataje, m tre zinke. M tre zinke, m tre soucie, m nou pa perdi le peu daki ke nou goumen pou li ou kou de dernyan zan. M tre zinke tou, pwoske lom gade problem de fron yo, ki se l'extrem povrete, Pourquoi est vraiment aucun velléité pour ça changer? Le map cas des Haïti, je me suis toujours changé qu'en 1960, on a le même niveau de revenu que la République dominicaine, le même niveau de revenus que le Ghana. Je dis à pays ça a 4-5 fois le niveau de revenu d'Haïti. Donc en fait, le niveau, les problèmes de fond du pays, la pauvreté, ne sont pas en train de s'améliorer. La classe moyenne est détruite. Je dis à un professeur d'école, l'école, pas qu'à vivre de revenus de revenu comme professeur d'école. l'école un chauffeur taxi, un, un petit machin, un pile problème pour joindre les deux bouts. Et ces problèmes de fond, là, malheureusement, au moins, il y a beaucoup d'attaques. Les problèmes d'environnement, en 1940, nous la même couverture environnementale que la République dominicaine, 40%. Je dis à nous à moins de 2%, à peu près 1,5%, alors que la République dominicaine, qui est un B40%, parle. Et c'est des problèmes qui parlent des répercussions à long terme, longtemps d'exporter sucre. Je dis à nous importer 100% de sucre que nous mangeons. Donc, pour y a des problèmes de fond, qui demandent une solution consensuelle, une solution concertée. Je pense que c'est une très mauvaise approche pour mon, que à partir du gouvernement, à partir du palais national ou de, 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 du bureau de la primature, on est capable de résoudre le problème à Haïti. Le problème, c'est que vraiment pour arriver à créer un climat, chaque monde arrive à contribuer pour nous résoudre le problème de fond. Moi, C'est important tout pour nous expliquer à Haïti que développement, et à Haïtien que le problème de développement, il prend le temps pour le résoudre. E ou fwe an mezi fwen ka eksplike populasyon me, fwen ap fey me kwa man ap avansi. E fwen pa fel de promes demeji. Son preuve, pep ki fe pref dan pil pasyans, men yfo pou eksplike l so ap fey pou mwa fel pou l komprene pou l pa antisipe. Ank an gro, l Donc, gros, m gade, par ekzamp, m te an Etiopi, m ap ou toune an Etiopi le 10, m ap gade mwe progre Etiopi fe an 10 an. sont pays qui vraiment va vivre une économie émergente dans les 15-20 prochaines années. Leur est pour l'effort il faut qu'ils en termes de mettre en place des institutions, mettre en place des structures. Leur moi, il faut qu'ils fait, un peu partout en Afrique, des pays qui étaient loin derrière nous, là au Niger, côté moi-même il y a seulement 4 ans. Comment ils ont fait pour eux-mêmes arriver à partir du programme présidentiel, le, les trois du Niger, le Niger, nous et le Niger. Comment ils arrivez à mettre en place un programme cohérent pour eux pays faire avancer. Même c'est quand même douloureux pour moi que nous-mêmes, nou pou pou vreman pren direksyon de devlopman, nou pou pou bay le son de devlopman ke mkwe ke nou kabay le moun, mèm jan te bay le son an 1840. Dapre ou mèm, se ki bon problem nan, yè, lè kelke pa, kan mèm. Tu se, problem nan, se ke an, se, set enkomprehensyon, set mouvez komprehensyon di devlopman ke mkwe ke chanjman apsot du, du palè national de la primature. Chanjman apsot don e fòr konserte de tout sektèr, de tout Éléments dans la société. Ils sautent dans l'unité. Ça veut dire que le secteur privé a joué au rôle. Il faut avoir suffisamment de confiance dans l'État pour jouer au rôle. Il faut que le secteur social joue au rôle. Il faut évidemment que le gouvernement et le Parlement jouent au rôle. Donc, il faut que son, fort son fort Par an, a un effort collectif. Pas cap tombe d'en haut et puis, suivi, et puis subitement on va tout bas et résoudre. Je crois que ça, c'est un premier incompréhension. Et, et Deuxième, bah, hein, c'est que nous croyons que le problème n'est pas seulement le problème haïtien. Nous croyons sincèrement que la communauté internationale a une part de responsabilité, l'incapacité de pour bon, avancer. Évidemment, responsabilité avancée, c'est avant tout responsabilité, pas nous comme haïtiens, mais les partenaires aussi, particulièrement après le tremblement de terre. Yo fè de pomès ke yo pa kèmbe nesesèrman, yo, yo, yo pou angajman ki pa te kouyèran du tout, yo pa te pèmèt gouvernement et état ici en prenne direksyon, rekonstruksyon, et pou mwen nou pa vreman benefisye de opportunité k te kriye, mèm apre trembleman de terre. Donc, son konvejans de faktor, mèm surtout, surtout mèm ap gade peyi kap avan sekouni, mèm Liberia, kote msou te fè 14 mwa, bon mwen eleman esensyel, se ke se vreman un efor de tout la kominote de vouloa rezoud lè voulèm. e vreman tout moun met ansanm pou yo apote peti kontribusyon pa yo, e le merite apote a tout l moun par un goup. Donk pa goun kompetisyon atle diferant goup pou yo pou yo ka di ki eski rezout probleme. Vreman son yon for konserte. Donk moun kwenk lison. Danyen pwem ap disou sambo se krez importan, moun se ke lor ap gade difikil tariksyen, fwa tout sektor yo wemete tet yo an kesyon. Fwa tout sektor yo entewoje tet yo. Fwa tout sektor yo mande tet yo. Ki sa yo wale fet diferanman apoti de 2014? 2014 se le 210e aniverser de notre indépendance, c'est le quatrième anniversaire du, du, du tremblement de terre. Il faut à parler de Haïti 2, d'une nouvelle révolution, d'un nouveau 1804 avec une nouvelle image de s'annouveler de Haïti. Et remise en question, ça me quoi, fort tout secteur que je fais, je dire, en 2014, qui me va changer le comportement, parce que définitivement, ça ne fait avant, ni pas nécessairement abouti. Docteur pense en tant qu'ancien Premier ministre, vous faites l'expérience de l'aide au développement E notamman, ou te non-gouvernement, kote prezident de la republik lan, ki toujou an fanksyon, administrasyon toujou an fanksyon, ta prone investisman nan plas aide ou devlopman. E panse pi fwa moun da akor joudian ke aide ou devlopman, se pa li menm kap mene ver le devlopman. Me ha iti juste mwen goun dilem, paske l'oblige kontinue a beneficye de l'aide ou devlopman. Menan, ki meye strategi ou panse gouvernemental li genyen ? entre l'aide au développement, en fait, maintenant, parler avec le recul, puisque vous-même êtes dans les affaires, dans les affaires publiques, je dis en dehors, vous fait expérience d'autres pays, vous suivez l'expérience qui vous parlé, et qui meilleur choix que vous avez fait entre l'aide au développement et l'investissement qui t'a d'avenir aujourd'hui C'est une question très importante. moi personnellement, je crois que ce n'est pas une ou l'autre. Pour le moment, quand on a un pile pays qui a pas avancé, nous parlons de l'Éthiopie à le à fond pour énorme. côté que la diaspora éthiopienne a investi massivement dans l'infrastructure, dans la construction en Éthiopie. Mais ceci dit, l'Éthiopie est encore le premier pays pour le financement de la Grande-Bretagne, par exemple. Et le premier pays à recevoir l'aide américaine en Afrique. Donc, c'est pour te dire qu'il y a de la place pour les deux. Mais, ça demande trois choses, et tu as raison. D'abord, il faut renégocier cette aide. Il faut renégocier cette assistance. Ça, il n'y a pas de doute. Fond Chita, avec partenier, en tant que partenier. Et moi, ça fait dans plusieurs pays. Mwè, après le Sounam, en Indonésie, moi, gouvernement indonésien, Chita, en tant que partenier, vous le dis, communauté internationale. Le premier baril que j'ai fait, c'est que moi, mes corps m'ont aidé. Le deuxième baril que j'ai fait, c'est que ce que vous voulez aider, moi, mes corps m'ont voulu aider. Pas autre chose. En 2004, moi, j' dit Banque mondiale que dans ces conditions, monsieur, Prend quoi boire, le fait Donc il y a moyen pour nous de renégocier avec nos partenaires et en tant que partenaires debout. Et ça, c'est un bagarre que nous avons fait et nous devons faire. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as raison. Haïti, a un paquet de potentiel pour le capable développer. Nous ne va pas même entrer en question des ressources naturelles, mais même toute données que nous avons sur ça, fait que nous avons une richesse dans ce sol, qui est encore inexploitée et qui crée un potentiel. Deuxième élément, nous gagnons, c'est plus de 4 millions d'haïtiens qui vivent à l'étranger et qui transfèrent 2 milliards de dollars. Si nou kreye les instrument aproprye, nou gwo mwayen la vreman pou nan mobilize yon kapital enorme. Ape di ke Aisyen ka di, ou liye man met ti kob mwen la bank la prapotem 1% semen za ha, map metel nan proje d'infrastructure ki karakotem 6-7%. Non, potensiyel de kapital de diaspora fonde ba neglijen. Et toasyenman, gen des opportunite d'investissement tout ki ekstraordinier, men pou sa, fò kreye les sirkonstans ki pou rasyon. Se investissement son ak de fwalye, loun ek met kob li deyon, loun partener etranger louvri la karte du moun, li gen 10 milyon dolar pou l'investi, se pou mwen dete tout pou ki sa labdi se Haiti. si vous mettez 10 millions de dollars ça. Donc il faut balon raison. Et raison, il faut avoir bien, ça veut dire qu'il faut résoudre le problème de, de, de propriété de, de, de cadastre, il faut résoudre le problème de justice. Parce que l'on est es dans le pays où il y a un conflit, il faut le connaître que l'on est capable de gagner justice dans le cas de conflit et que le café de justice ça a confiance. Donc on prend pas de problèmes pour résoudre, pour assurer l'investisseur. e sou arive feba e sa yo, mwen mwen kweke wap arive efektivman mobilize kapital ko bezwen pou kapap fe investisman masiv nan tout kalite proje nan infrastruktu e nan proje sosyal tou la map gade, par exemple, Meksik yo kon program Tres Poruno, ki ekstraordinè, gouvernman Meksikien li met 3 dola pou chak gren dola on diaspora la Meksikien vwe la kaeli pou le petite eh, travou nan infrastruktu komunal kon proje konsa ke nou menm nou te travale ek bank mondial, kote kwen ta pwes kapitalize sou diaspora, pou chak gren dola le gouvernement matchli pour n'assurer que dans 10 départements, dans toute section communale, y gagne des efforts qu'à fait Donc ça, c'est au niveau, si tu vois, décentralisé. Mais on gagne moyens pour mobiliser capital massif, pour faire des bails et des investissements qui sont rentables, par exemple en énergie. Donc on gagne moyens pour créer un environnement, pour générer capital, pour être capable effectivement faire des travaux d'infrastructure. Genre, ça fait un peu partout. Donc il faut arriver à concilier vraiment le tout. Et je dis à mon consensus, c'est moi pour ça. Faut, faut font, tout pe yo rekonèt ke fò jwen kwa fò, i fò ke kominote internasyonale akèmbe engajman kòl te fè de 0.7 nan kado MDO. Ma vrap lò kò yo te fò, kò yo tout yo tap wala atèn 0.7% de revenu yo, kò yo tap investi l'an matyère de devlopman. Dezyem ba ankon fò, e se pou sa kò fò rasa yo trèz intèresan, distribisyon wè sosyo pa bazè sur lè bezwen. Donc ça veut dire qu qu qu'il y a des pays comme l'Irak qui recevront partie énorme d'assistance externe, alors qu'il y a même des ressources naturelles. Donc, il est basé sur une réalité géopolitique, sur l'intérêt des bailleurs. Donc, il y a une discussion intéressante et importante qui, pour gagne, nous, il y a des pays émergents, toujours dit, qui apprennent très l'en milieu et l'assistance-là. Par exemple, le Brésil. Par exemple, la Russie, je dis. Hein. Donc, il y a des opportunités pour nous renégocier comme un partenariat. En fait. D'ailleurs, nous, on va implérer l'assistance, on a parlé de partenariat. E paralelman a sa, nou fèt pou lakay nou, kreye environman pou ke moun interese, mobilize kapital ke nou gen en diaspora, mobilize kapital ke, ke nou gen intern en Haiti, pwoswe gen de reform ke fòr fè, ki kapab pèmèt pou mobilize kapital. Mwen mkwen ke par exemple, politik fiskal nou jodi an, pa pèmèt pou mobilize eksedan de kapital ko gen en Haiti mèm pou fè investisman. Donk mwen ekip bagay ke mkwen ko ka fè, entelijamman, ki pou fè kom sa avide. Fòr de tout konsiderasyon ke ou fè la, Est-ce que nous sommes capables de conclure que si pas un effort considérable qui fait et objectif que le gouvernement Martelli, la mot la fixelle qui sait faire d'Haïti un pays émergent en 2030 sont utopie Quoi que bon, effort collectif et cohérent. Donc surtout ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'arrive pas à mobiliser tous les secteurs de la vie nationale, se pe probab ke wap realize objektif ou wap opere kankou ou loun wap baye pou kontou. Devlopman se ankon, un fwa, se pon baye ke palen nasyonal loun pe yi fe. Donk mwen kwe ke l'aproch la fwa yo elanji li, fwa yo rekonet implikasyon e importans implikasyon tout sektè yo, fwa yo baye tout sektè yo pòtunite pou yo kontribuye, interè pou yo kontribuye, e aèk sa pòsyon ki jèm toujou di li pa yon fatalite Haitienne. Fòt heurezman, pa goun problem ko Gran Haïti pou lekel pa deja gen de solisyon eprouvé. Mais si on l'école, je dis à son baril, comment on faire Résoudre les problèmes sanitaires que nous gagnons, santé que nous gagnons, accès à l'eau potable. Tout ça, c'est des problèmes que normalement on résoudre sous 27 500 km² avec 10 millions de monde. Mais le, le, le défi, c'est comment on peut toutes toute composateur, incluant les partenaires internationaux, ensemble, autour d'un programme cohérent, côté qu'on bat les garanties qu'il faut, côté que l'État, ici, bat la direction qu'il faut, et puis ensuite, qui permettent de nous avancer. C'est comme ça se fait un peu partout. Resanman la avan mdou sa, mdap gade mwen e avanse yon pe yon kou Malawi ap fè nan certain domen, mdouve kwe se ekstraordinèr. Porske yon arive yon nivou sektoriyel, met parteneryon ansanm, yon kapap fè des investisman kouerant, e wè vreman, mdap gade mwen yon pe yon kou l'Ethiopi ki yon milyon de kilometre kare, preske 80 milyon de moun ki de yon gro problem de mortalite maternel, yon fè des avanse ekstraordinèr lan preske tout indikator santeyo. Ce qui est remarquable. Mais ça, et, 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 le gouvernement éthiopien a fait, ils font distribution de 35 000 travailleurs aux communautés. Ils font avec quoi Parce que la communauté internationale, justement, ne veut pas de payer les salaires. Et en moins de 5 ans, ils ont des avancées tangibles en matière de santé. Donc, moins je moins crois que nous avons des que nous avons fait. Et avec ça, nous avons enfin la population haïtienne, le soulagement que nous Très bien. Voilà, c'était Dr. Car... Alors, Gary Conny et qui actuel premier ministre pour qu'on lève cette tête-là dans la copie d'Haïti. Plus deux traités, tu neuf traites, et qui parle, alors qui finalement, on dire officiellement, et monsieur a dans le journal officiel des moniteur paysans. Ok, côté que monsieur C, nouveau premier ministre paysan. Gary Aïe aïe aïe, Haïti. Haïti. Haïti, chérie, Haïti. Ha iti bel fam mwen an. Ayayay. Hm. Ayayay. Ay, ay, ha iti. Hm. Di sa anko. Po ti pe im nan, po ha iti im nan. Po pe bonje ak apè soufri. Si te soley ki lan soufrans.